Allez, salut tout le monde, ici iPlay4U, on se retrouve pour le sixième épisode de mon let's play sur le jeu SimCity 4. Donc ma ville avance plutôt bien, l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, ça fait déjà un petit moment que je souhaite le faire, c'est de donner un bon coup de boost aux habitants. On va construire un tout nouveau quartier d'habitation. Vous voyez que j'ai une carte relativement immense, donc je peux me permettre. J'en suis à 24 000 habitants, ce qui est très bien. Et on va faire en sorte... pourquoi pas d'approcher les 28 000 à la fin de cet épisode, on verra bien, parce que 4 000 habitants, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est ma ville. Bon, bah évidemment, le problème que je rencontre, c'est un problème financier. Tiens, regardez ça, il y a un énorme building qui vient de se construire encore ici. Ça fait plaisir. Donc voilà, je n'ai que 887 $, ce qui est évidemment pas suffisant pour construire un tout nouveau quartier d'habitation. Et même si ma ville, je la trouve vraiment chouette, on va continuer de l'embellir. Pour ce faire, j'ai besoin d'argent. On va donc essayer de taper une mission pour gagner si possible 20 000 $, et avec ces 20 000 $, pouvoir construire un tout nouveau quartier d'habitation. Avant de commencer, tiens, on va regarder un peu les Sims. Dans cet épisode, il n'y en aura pas de nouveau. Dans le prochain, j'installerai le cinquième parmi vous. Donc mon petit Julien, tu es toujours responsable, pas de problème avec toi. Tu as toujours ta belle voiture rose. Écoute, ma foi, tu te portes assez bien, même si tu as déménagé la dernière fois sans me prévenir, je ne t'en veux pas. Tu évolues dans la vie, donc c'est très bien. Nous avons notre Jonathan, responsable de magasin. Oui, le riche de cette partie, qui se plaint, impossible de contrôler les forces dans l'impasse pour son travail. Voilà, il se plaint de ne pas trouver le lieu de son travail. Mais attends, Julien, regarde ça, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu vas là aussi? Tu cherches les ennuis, ton métier il est à droite. Non, à gauche. Ah, tu vas dans le centre commercial, d'accord. Tu vas faire les courses. Très bien. T'oublies pas d'acheter le PQ, hein. Non, c'est très important, hein. Faudrait pas abuser. Donc voilà, je te montre. Tu te plains de pas pouvoir te rendre sur ton lieu de travail, mais regarde ce que t'as à faire, quoi. T'as à peine 500 mètres à faire, tu pourrais même y aller à pied. Donc non, sérieux, Julien, t'abuses, quoi. Julien, je dis pas pourquoi je dis Julien, c'est Jonathan. Excuse-moi, Julien. Mort qui tue, ne s'entend plus penser. Qu'est-ce qu'il y a? La circulation près de chez moi. T'habites où? T'habites ici et tu trouves qu'il y a de la circulation. C'est vrai que t'habites à côté d'une voie ferrée, donc c'est pas génial. T'as l'avenue qui est pas très loin, j'avoue, je te le reconnais. Toi, t'as des raisons de te plaindre. Tu veux que je t'achète une voiture? Qu'est-ce que je peux t'acheter comme voiture? Bah t'as pas d'argent, hein. Qu'est-ce que tu veux que je t'achète? Je peux rien acheter. Écoute, prends les transports en commun et fais pas chier. Baptiste, mon petit Baptiste, impossible de contrôler les forces de l'ordre. T'es un rebelle, t'as toujours des soucis avec les forces de l'ordre, c'est pas possible. T'es fonctionnaire, ben voilà, fonctionnaire, forces de l'ordre, forcément, avec les manifs, il y a toujours des petits problèmes. Bon, écoute, mon petit Baptiste, tu es où, tiens? T'habites là-dedans, toi? Ah non, tu travailles là-dedans, tu travailles dans un parking, c'est bien. T'es fonctionnaire dans un parking, tu dois vraiment pas avoir la vie dure. Je suis sûr que t'as mis ton petit poste de télé pour être tranquille en train de travailler. Et à ma foi, t'as bien raison. Allez, c'est parti, on va essayer de gagner de l'argent. On va se trouver une belle petite mission. Alors, pourquoi pas l'hélicoptère, tiens. Oh la vache. Plus 70 000. Alors, l'hélicoptère d'attaque de la mer va nous être très utile pour le plan maléfique d'aujourd'hui. Détruisez les trois structures indiquées qui sont vitales au fonctionnement de la ville. Autrement dit, la station de pompage, la maison de ce tyran de mer... Non mais ça va pas, non? Il veut que je détruise ma station de pompage, ma maison et une infrastructure de transport importante. Bah non, mais pour 70 000, non. J'avoue que 70 000 ça vaut le coup, mais je vais pas détruire ma baraque, quoi. Non, t'abuses un peu là. Je suis déçu. Ah non, je suis déçu. Note du maire, plus 110. Rien à foutre. Plus 10 000. Ah, venez de voler une voiture, éviter les flics et quitter la ville. Allez, on y va. C'est parti, j'accepte. J'espère que je vais la réussir, cette mission. Hop, voilà, je suis là. Laissez place, mais dégage, toi, ça commence mal déjà. Alors le truc, c'est que je sais pas trop... Oh là là, j'ai envoyé la moto dans le décor. Là, je traverse un peu à l'arrache. Foutez-moi le camp. Je sais pas trop où la sortie de la ville est. On va essayer de se diriger par là, avec un peu de chance, elle est pas très loin. Je klaxonne au passage. Là, oh bah voilà, c'était juste là, nickel. Et bah voilà, ça c'était vraiment très très facile. Plus 10 000, bon bah voilà, ça y est, j'ai mon pognon. Il faut que je surveille la note du maire par contre. La note du maire qui n'est qu'à 30.
Je rappelle que je dois être à 50, donc je suis largement en dessous de mon objectif. Bon allez, c'est pas grave, j'ai gagné 10 000 $, on va tout de suite s'en occuper. Ça je le laisse, si j'ai besoin de construire des infrastructures c'est très bien. On va tout de suite s'en occuper, donc on va faire un super quartier résidentiel de la mort qui tue, on va le mettre ici. Ou alors, non on va le mettre ici, à côté de l'hôpital, ça va être très très bien ça. Ouais, regardez ce qu'on va faire, on va mettre un bon quartier là. Un bon quartier comme je les aime, 1, 2, 3, 4... Hop, ouais, ce sera pas mal ça. Ce sera pas mal du tout. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, voyons voir ça. On va mettre de la haute densité pour avoir des buildings. Puisque la forte densité vous permet de construire des gros buildings. Alors, putain, regardez ça. 8 000 $ ça me coûte quoi. Voilà, 6 500 $ pour ce quartier d'habitation. Un bon quartier bien gros comme je les aime. Qui va me permettre, si possible, de brasser de l'argent grâce aux impôts que je vais leur faire payer. Et oui, oui, oui. Alors, ça, ça dégage. Ça, c'est mal construit. Ça dégage. On va relier. On va relier ici. Hop. Et on va relier ici. Alors, il me faut des industries avec l'argent qui me reste. On va essayer de relier à l'eau, tiens, aussi. Donc, j'y suis. Là, il y a l'industrie. C'est pas bon. Ah, je suis pas satisfait, je suis pas satisfait. Si je rajoute ici... Ouais, à mon avis, il va y avoir une pénurie d'eau. Faut que je rajoute un deuxième. Ouais, regardez ça. Il y a une pénurie d'eau. Il n'arrive pas à pomper suffisamment, donc on va rajouter un château d'eau, et ça devrait le faire. Alors, est-ce que je peux le rajouter là? Voilà, là c'est pas mal. Voyons voir ça. Bah voilà, un deuxième château d'eau et du coup effectivement ça a un peu boosté le truc. Donc ça c'est très bien. Ça c'est bien aussi, parfait. Donc, qu'est-ce que tu me donnes comme mission toi? Note du maire plus 80, donneur compatible. Et je pense que dans cet épisode je vais essayer de faire une mission aussi pour la mairie quoi. Par rapport à la criminalité, je suis à 9, un peu plus peut-être. Donc c'est bien puisque je dois être en dessous de 30. Le temps de trajet... Ouais, il est parfait, je suis à moins de 50, l'énergie c'est bon aussi, l'eau ça va, pollution atmosphérique, c'est pas la gloire, hein. On essaiera de s'en occuper. Je vais regarder un peu les finances, tiens. Les finances, je suis pile poil à l'équilibre, qu'est-ce que je peux faire, tiens. Alors, département de transport, on va pas y toucher. La sécurité publique, c'est pareil, je vais pas y toucher. La santé et l'éducation, ça m'embête un peu, il faut que je surveille ça, les services publics. L'entretien, les sites d'enfouissement, les poubelles, c'est pareil, il faut que je m'en occupe des poubelles, quoi. Centrale à charbon, l'embellissement de la ville, ok. Budget municipal, il faut que je surveille un peu les profs. Alors les profs, ils en sont où? On a 512 étudiants pour 550 en capacité, donc ça c'est bien. Il va me falloir une école là-haut, c'est sûr. Et l'autre école, elle est ici, voilà, 550 pour 550, c'est parfait aussi, on est bien. Commissariat c'est bon. On avait donc notre hôpital qui se trouve ici. Alors 1700 patients pour 2300 lits, donc c'est très bien. Et ici on a une petite clinique. Patients, oh, 247 patients pour 500 lits. On va descendre un peu. Voilà, parfait. Et là il faut que je construise une école. Il n'y a pas d'école là-haut et c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est vraiment un bon quartier que j'ai envie de booster. Ici on va faire tout un quartier, il me faut une école, c'est sûr. Y a pas le choix, c'est comme ça. Hop. Alors, est-ce que je fais une école ou est-ce que je fais un collège? Oh, le collège est bien cher quand même. Et le collège, ça pourrait être pas mal. Faire l'éducation des Sims ados. On fait le collège. On fait le collège, voyons voir ça. Je regarde un peu. Eh, il est bien là. Il serait pas mal ici. Je pense qu'il serait pas mal. On va le faire là. Allez, hop, je zoome. Je détruis ceci. Et je construis un collège. Ça coûte de l'argent, effectivement, mais bon. Voilà, un grand collège. Comme j'ai un objectif par rapport à l'éducation, il faut que je m'en occupe, quoi. On va évidemment faire un arrêt de bus, très important, pour les lycéens, les collégiens qui veulent prendre le bus. Donc c'est ici. On a un arrêt de bus juste à côté. Et on a une gare qui doit pas se situer très loin, la gare. Elle est où? Ah si, elle est entre les deux. Ah oui, la gare est un peu loin, effectivement. Bon, en même temps, vous y allez en bus et puis c'est tout.
Alors, par rapport à ce collège, je pense que je suis en sureffectif. On va baisser. Voilà, on va le mettre à 500. Alors, je suis en déficit de 500$, ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle. J'espère que ce nouveau quartier d'habitation va m'aider. On va descendre l'énergie. Vous pouvez hein, définir le budget de chaque chose. Vous voyez que l'énergie, ma capacité est largement au-dessus de mon utilisation. Donc on va descendre. On va descendre à 100$. Non, 120. Descendre à 120. Et on va surveiller. Anarchie automobile sur les routes. Bah non, attends, je suis désolé, il y a des transports en commun de partout, quoi. J'ai une grande avenue. Faut que je fasse une autoroute aussi. J'avais prévu de faire une autoroute de toute façon. Ça faisait partie de mes objectifs. Voilà, ici on fera une autoroute. Ça va coûter la peau des fesses, mais c'est comme ça. Ici, il faut que je refasse des industries parce que là c'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Apparemment, mon château d'eau, c'est pas la gloire. Bon, tant pis. Il faut que j'augmente les industries, c'est sûr. Industrie, commerce. On voit qu'il y a des petits commerces. Vous voyez, une demande de petits commerces, très légère. Il y a surtout une grosse demande d'industrie, hein, donc on va développer là-dessus. L'énergie, ouh, l'énergie, dis donc, j'ai visé juste. On va l'augmenter un tout petit peu. J'ai visé vraiment juste. Voilà. Ok, parfait. Sur quoi je peux... Oh, là, 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 là. 8, 9, 10, 11, ça remonte un peu l'argent, donc c'est bien. Mais pas plus que ça. Il faut que je fasse des missions. Pour avoir de l'argent, pour augmenter ma réputation. J'ai pas le choix. L'hôpital. Oh, j'ai plus la mission de l'hôpital. Ça, c'est pas cool, ça. Allez, construisez-vous. Ça, c'est bien. Alors, anarchie automobile sur les routes. Ah, les accidents s'accumulent. Ouais. Bon, voilà, je trouve pas non plus que ce soit catastrophique, quoi. On va voir ça. Il y a un peu de monde, c'est surtout dans cette avenue, je pense qu'il y a du monde. Ouais, regardez ça. Cette avenue-là, par contre, effectivement, on a tous les gens qui vont travailler. En plus, on voit que ça travaille sur la droite, mais ça travaille aussi en haut. On a vraiment tout ce quartier résidentiel qui utilise cette avenue. En même temps, c'est son objectif, hein, je veux dire. C'est comme ça, hein, je vais pas... J'ai qu'à prendre le train, tiens. Ah, il y a vraiment une pénurie d'industrie. Il me faut de l'argent. Il n'y a pas à dire, il me faut de l'argent. Alors, les missions, qu'est-ce que j'ai comme mission? On a un char ici, qu'est-ce que c'est que ça? Mission d'entraînement au char. Non, merci. Plus 20 000. Oncle Vinny vous demande de passer dans 3 commerces pour y récupérer leur dette hebdomadaire. Ouais, ça je l'ai déjà fait, c'est chaud comme mission. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas un truc plus facile? Note du maire, plus 80. Votre copain grincheux a appelé pour dire qu'il était malade aujourd'hui. Arriver alors à 4 arrêts de bus. Non, ça va pas, non. Avec cette circulation de malade, je vais jamais y arriver. Non, c'est bon, merci. Alors, vol de voiture en cours. Mettez le turbo si vous voulez rattraper le fuyard. Plus rien ne l'arrête. Appréhendez le suspect avant qu'il ne quitte iPlay City. Note du maire, plus 50. Tiens, on va la faire, celle-là. Elle me plaît bien. Faut que je rattrape un délinquant. Allez, c'est parti, on y va. Allez, ça, il est juste là-haut. Oh là 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 là, ça s'annonce mal. J'aurais peut-être pas dû tourner. C'était peut-être pas une bonne idée de tourner. Dégage, dégage avec ton gros poids lourd. Il est juste là. Non, j'ai perdu. Je me suis crashé contre l'arrêt de bus. Oh, c'est pas vrai. Il était juste là. Il était juste là. J'étais à une seconde d'y arriver. Oh non, putain. Non, c'est pas vrai. Il était juste, regardez, à 2 cm, quoi. Ah, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, ma note du maire. Ah ouais, bah ouais, il l'arrête. Forcément que tu l'arrêtes. J'étais juste derrière, moi. J'y serais arrivé, moi aussi. Alors, mettez le turbo si vous voulez rattraper le fuyard. Allez, on réessaye. C'est parti. Alors, il est où, celui-là? Non, c'est bon, ça suffit, les bêtises. Je peux plus contrôler le véhicule. Je peux plus contrôler le véhicule. Mais c'est pas moi qui le contrôle. Oh, c'est pas vrai que je vais encore perdre. Mais c'est pas vrai. Oh, c'est un massacre. Ouais, j'arrête l'émission parce que là c'est un massacre.
Ça va pas du tout. Il me faut de l'argent. Il faut que je fasse des industries, c'est sûr et certain. Il me faut de l'argent, tant pis. Allez, on va essayer de choper une mission. Mission à pépette. Non, plus 70 000. Oh oh, regardez ça, oncle Vinny a une tâche à vous confier, il veut que vous récupériez un colis et que vous le déposiez à la décharge avant que la police ne s'en mêle. Suivez ses consignes. 70 000 dollars si j'y arrive, est-ce qu'on l'essaye? Allez, de toute façon, c'est parti, j'essaye. Oh, perdu pour perdu, hein. Donc il faut que je l'amène à la décharge avant de me faire coller par les flics. Il y a des flics juste à côté en plus. Impossible de manœuvrer un chariot pareil, un camion pareil. Dégage le flic. Moi le camp, c'est chronométré, 4 minutes. Mais quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait pincer par les flics. Oh non. Bon allez. Faut vraiment que j'arrête l'émission. Faut que j'arrête l'émission, c'est un massacre. Alors ils devaient me prendre 10 000 dollars, mais comme je les avais pas, ils me les ont pas pris, hein, vous voyez. Donc, ouf, je m'en sors bien. Mais c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe, ça va pas du tout, quoi. Il me faut vraiment de l'argent pour construire mes industries, moi. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mon budget est plombé. Sur quoi un peu je peux tirer? Je peux tirer sur eux. Pff, pas tant que ça. Hein. Le collège. Ouais, bah regardez ça, le collège. Allez, hop. Voilà, on est bientôt à l'équilibre. Sur quoi je peux tirer? Je vais pas tirer sur les flics, quand même. Les pompiers, c'est pareil, j'en ai besoin. Eh non, je vais pas... Vous êtes à fond aussi. Ah, ici. Allez, un tout petit peu. Ah, c'est pas la gloire, hein, je vous dis, c'est un massacre même. Hein. Pou, 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 pou. Ah, vous êtes à la limite. Ah, je peux pas trop non plus vous taxer, quoi. Je vais pas augmenter les impôts, ça va pas le faire, quoi. Bon, ça va, ça se développe un peu. Ça se développe un peu, 790 dollars, quoi. Putain, il veut des industries partout, quoi. Des industries high-tech, des industries moyennes. Ça va pas aller. Il me faut de l'argent, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je prends le risque d'encore de faire une mission. Oh, putain. Ah, je le sens mal, quand même. Je le sens mal, je le sens mal. Il faudrait que je trouve une mission facile, quoi. Celle où il fallait quitter la ville, c'était bien. Toi. Oh là là, il me donne plus de mission, j'ai l'impression. Note du maire plus 50. Non, bah c'est bon, j'arrête pas de me planter. Je veux de l'argent. C'est bon, la note du maire, de toute façon, on verra ça plus tard. Bon, j'ai pas de mission, j'ai pas de mission, j'ai pas de mission à pépette. Note du maire plus 80. Trouver un maximum d'indices et aider-les à résoudre ce problème avant que les voleurs ne frappent à nouveau. Non, 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 non. Négatif. Je veux de l'argent. Ah! Oh, il fait la note du maire et l'argent. Regardez, les frères escrocs sont en train de s'enfuir avec l'argent des impôts. Arrêtez-les avant qu'ils ne quittent la ville. Note du maire plus 50, argent plus 5000. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, perdu pour perdu, on y va. Merde, c'est qu'un jeu, on s'amuse. Ils sont où? Ils sont derrière. On y va. Eh ben dis donc, mais c'est pas vrai que je sais pas conduire. Faites place, dégagez, 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 dégagez. Vite, 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 avant qu'ils ne quittent la ville. Je sais pas où ils sont. Allez, allez, on trace, on trace, on trace. On tourne, il faut que je m'en occupe. Et dégage toi, j'ai failli les percuter. Vite, 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 ils sont où, ils sont où? Vite, 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 on trace. Ils sont là. Ils sont juste là. Vite, vite, vite. Allez, 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 on y va, on y va, on est sur le pour les rattraper. Oui, 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 oui. Dégage, toi. Dégagez, 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 c'est la police. Dégagez, dégagez, ils sont juste là, je les ai. Stop. Yes! Allez, donne-moi de l'argent. Yes, ça a marché. C'est bon, j'ai mes 5000 dollars. Ça a été la galère. Il a fallu quoi faire 5 missions pour en avoir une. Allez, on a de l'argent, on va investir. On va faire des grosses industries high-tech. Parce que j'en ai besoin.
Voyons voir ça. Est-ce que je fais des industries high-tech? Ouais, on va les faire là. On va les faire ici. Très très bien. En plus, on aura la gare à côté pour ceux qui veulent venir bosser. On va pas en faire beaucoup parce que ça coûte très cher les industries high-tech. Mais on peut en faire quand même. Donc on va pas se priver. Alors, industrie high-tech. Hop. Et donc, 3000 dollars, cher quand même. Oh, ça m'embête un peu. Ça m'embête, hein, ça fait cher quand même. Non, allez, on va faire des industries à densité moyenne. Tant pis. Perdu pour perdu. Bah, c'était trop cher, attendez. On va foutre 3000 dollars juste pour un peu d'industrie, quoi. Industrie à densité moyenne, c'est parti, on va en faire plein ici. Voilà, paf, c'est nettement mieux. Il faut que je relie tout ça à l'eau. Et il faut aussi que je fasse un poste de police, parce qu'à mon avis, la vie c'est craignos. Alors, on va relier à la flotte Pooch, voilà. Ensuite, la police. Essayons de voir un peu les graphiques de criminalité. Donc on a un poste de police ici, mais il est tout petit. Il est tout petit. C'est pas génial, génial. On voit que j'ai pas de criminalité en fait. Regardez ça, c'est plutôt correct. Bon, il y a quelques petites zones jaunes, mais dans l'absolu, je m'en sors bien, quoi. Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse un plus grand quartier? On va voir. Alors, petite police, poste de police, ça coûte que 40 tous les mois. Ouais, on va faire ça, un petit poste de police, tiens. On va le mettre ici. Voilà, parfait, nickel. C'est important, hein, la criminalité, surtout que j'ai des objectifs par rapport à ça, donc je peux pas me permettre de louper. Dégage-toi. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça y est, les industries se développent. Normalement, ça devrait donner un bon coup de boost à la barre des résidences qui va sûrement remonter. Et on voit qu'il ne me manque plus qu'une petite centaine de dollars pour équilibrer le budget. Donc ce serait pas mal, ce serait pas mal d'y arriver. Là, on a un arrêt de bus, on a ma gare. Alors, occupation réelle 4. Putain, les arrêts de bus, c'est pas la gloire, hein. Ils sont boudés, mes arrêts de bus. Tout mon système de transport est boudé d'ailleurs. Ils préfèrent les routes. Faut savoir qu'on peut mettre des péages. Alors, je vais pas en mettre tout de suite, mais on peut mettre des péages. Et du coup, bah, non seulement ça rapporte de l'argent, mais ça pousse les gens à utiliser les transports en commun en plus. Regardez mon budget qui s'équilibre. Là, on est pas mal. En plus, la barre de résidence, regardez, ça y est, elle augmente. Elle augmente très très légèrement. Ça fait plaisir, ça. Voilà, c'est pas mal ça. Alors, mon quartier, qu'est-ce qu'il devient ici? Voilà, on a un bon petit quartier résidentiel. Alors, les niveaux de densité, j'avais dit une bêtise au début, les niveaux de densité influencent selon la taille de l'immeuble. C'est-à-dire que les densités fortes peuvent avoir de buildings, alors que les densités faibles ont de toutes petites maisons comme celle-ci. Donc là, on voit qu'il y a des petites maisons pour l'instant, mais il faut savoir que ça va se développer en gros buildings. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire ici, là. Tout ici, un énorme centre sur la carte avec plein de buildings, ça va être assez sympa. Mais pour ça, il me faut de l'argent, quoi. Toujours pareil. D'ailleurs, on a un beau bâtiment ici. 160, c'est pas mal, 160. Voilà, on a 25 000 habitants, ça pousse, ça pousse. Le problème, c'est que ça pousse tellement que ma demande en industrie est assez faible. On va construire un peu de commerce. On va construire des commerces ici. On va mettre une route. Et juste à côté, on va mettre un commerce, voilà, de proximité. Un peu de commerce ici. On voit qu'il y a une toute petite demande, hein, donc j'essaye d'y répondre. Est-ce qu'il y a la flotte au moins dans l'hôpital? Tiens, je pensais à ça. Ouais, il y a la flotte. Hop, voilà, parfait. L'énergie, surveillons l'énergie. L'énergie, ça passe, ça passe, ça passe. Voilà, on voit que les commerces se construisent tout de suite. Il y avait une telle demande par rapport à ça que ça n'a pas hésité. Alors, est-ce que le budget est équilibré? Voilà, une petite vingtaine de dollars et ce sera bon. Je pense que le mois prochain, on sera à l'équilibre. Voilà, en plus, les industries qui continuent de se développer, c'est très très bien. Ça, c'est pas mal du tout. Ouais, ça, c'est bien, ça.
Alors, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent là-dedans? Oui, il y a des travailleurs. Vous venez d'où? Vous venez d'ici. Ah, oh, bah c'est bon, ça vous fait pas tant que ça. Hein. Il faut que je surveille le temps de trajet. Hein. Je vous dis, j'ai un objectif à 50 minutes. Donc, d'ailleurs, je suis dedans. Hein. Le temps de trajet, je suis à 50 minutes. Vous voyez, je suis là. Je suis au-dessus. Je suis presque à. Allez, je suis à 30, 38 minutes. Donc, ça va. Par contre, il faudra que je fasse quelque chose par rapport aux déchets. Ça m'embête un peu. Tiens, qu'est-ce que j'ai comme cadeau aussi? J'ai des trucs à faire. Un casino. Un casino. Revenu mensuel 300$. Rapporte des simflouzes. Ouh, regardez ça. Génial, il me le faut. Oh, il me le faut ce casino, il est énorme. Pratch! Voilà un magnifique casino ici. Putain, il est super bien foutu. Vous avez vu un peu? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des manifestations? C'est de la joie? Ouais, c'est de la joie, ils sont contents. Bah oui, ils vont pouvoir aller perdre tout leur argent. Julien, Julien, tu vas pas au casino. Hein. Non, non, déjà que t'as pas un métier qui te rapporte beaucoup, tu vas pas perdre tout ton pognon là-dedans. Et ben voilà, parfait, normalement ça a rééquilibré mon budget. Gagnant de la super cagnotte 15. Julien, attention. Et ben voilà, regardez ça, on est à plus 400 au budget. Donc ça c'est parfait. Très très bien. Il faut surveiller les cadeaux de temps en temps, effectivement. Il y a des cadeaux qui apparaissent. Une université, non, non, l'université ça coûte trop cher. On a une station de radio. Ah! Une station de radio, tiens. Ah ben ça on va le faire par contre. Ça c'est sympa, on va la faire en plein milieu, tiens. Comme ça, ça vous donnera des ondes radioactives, vous choperez le cancer, c'est pas de bol. Pratch! Voilà! En plein milieu de ma ville. Regardez ça, ils sont contents, ils sortent. Oui, on a une radio, oui! Oui, on peut écouter Skyrock, super, oui! Eh ben, c'est bien ça! Bon, c'est dommage, ça rapporte pas d'argent, on peut pas taxer les radios un peu là. Oh, mais il est joli comme tout ce building, regardez ça. 176 de niveau 2. C'est des riches là-dedans. Il est joli comme tout, il est tout neuf, il est peint, il est propre. Oh, il y a même une piscine. Regardez, il y a une piscine ici. Oh, c'est la classe. Oh, je sens que le cinquième habitant parmi vous, qui sera tiré au sort dans le prochain épisode, si j'y pense, j'essaierai de vous faire vivre là-dedans, dans les appartements Robert. C'est la classe, putain, appartement Robert. En plus, vous serez pas loin du casino. Je pense qu'autour de casino, il faut que je développe des commerces à forte densité. Ça, ce serait pas une mauvaise idée, ça. Oui, si j'arrive à faire des commerces à forte densité ici. Tac. Voilà, plus comme ça. Ok, très bien. Le truc, c'est que j'ai pas assez d'argent. Commerce, densité forte. Est-ce qu'on peut faire ça au moins? Hop là, voilà, j'en ai construit. Donc j'ai un commerce qui peut se développer en building. Alors ça pareil, ça marche comme les résidences. On peut avoir de gros buildings de commerce, tout comme on peut avoir de gros buildings de résidence en fonction de la densité que vous choisissez. Et du coup, ça c'est pas mal à côté du casino, à mon avis, il va y avoir un gros truc ici. Est-ce qu'il y a de la flotte? La flotte, on va essayer de la monter un peu. Voilà, il y a de la flotte. Faut que je surveille l'énergie parce que c'est pas génial. Oh, si ça va encore. Ok, bon, bah c'est pas mal. Allez, 26 000 habitants, le budget est à plus 500, donc c'est bien, on a de l'argent. On va continuer à évoluer. Je rappelle que je dois avoir 300 000 habitants. Je vous montre un peu la taille de la carte. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, hein, c'est déjà pas mal. Mais regardez tout ce qui me reste. Est-ce que je peux zoomer encore en arrière? Regardez ça. Donc, on voit que j'ai largement de la place et qu'à mon avis, les 300 000 habitants, je peux largement les atteindre. Allez, j'arrête là l'épisode pour aujourd'hui. On se retrouve très rapidement pour la suite de ce Let's Play avec comme objectif l'un d'entre vous qui va intégrer ce building juste en face de moi. Allez, à la prochaine, salut à tous.